Game time. Frisson garanti pour cette 19e journée de Betclic Elite ici à l'Astrobal. Des retrouvailles entre Elio Kobo et Antoine Diot. Divost a lui évolué à Monaco. Il a remporté la Leaders Cup en 2017. Il a remporté l'Euro Cup en 2021 avec l'AS Monaco. Tour particulier, mais c'est un grand classique, donc c'est pas forcément étonnant de voir des joueurs se checker et se retrouver même en changeant de maillot. Très très gros choc, le choc ultime peut-être de notre Betclic Elite entre l'Asvel et l'AS Monaco Basket. Ça va vibrer très très fort comme il y a de cela quelques mois pour la finale, la dernière finale de notre championnat qui était fabuleuse. C'est un remake ici à l'Astrobal. C'est un choc de titan ici à l'Astrobal pour le compte de cette 19e journée de Betclic Elite. Un air de finale, on a encore cette finale merveilleuse entre la Roca Team et l'Asvel au mois de juin dernier. Mike James appliqué. Et là, il comme est énervé. Il est énervé, Mike James. Il est direct dans son game. Lui, il est chaud comme la brève, Mike James. Et Mike James est déjà en train de régler la clim à sa température ici à l'Astrobal. Il fallait pas l'énerver. Oh la passe. Oh superbe, oh, passe. La lecture de jeu de Lando Docolo au-dessus du lot comme d'habitude. Avec un gros dunk de Tyus. Oh ah non, le contre de Moneke, il s'est fait cueillir. Je savais qu'il allait vous plaire lui, Moneke. Mike James. Montao en contre-attaque, le dunk main droite. Il a très envie quand même de driver et d'aller au bout de l'idée, lui aussi ça l'a énervé. Et il n'a pas peur, il a surtout pas peur d'y aller, d'aller au contact. Non, aucun doute, Elio Kobo va la jouer celle-ci, il aime trop ça, aller au bout du chrono, joue la dernière possession, le drive. C'est trop tard. Le drive est foudroyant pour la défense de l'Asvel. Comment on peut le laisser aller main gauche? Bassoane, il est tellement chaud là. Mais il va tellement les cross et la finition de Retino Bassoane pour le N1. Oh, il a envoyé du cross dans tous les sens là. Mais Bassoane, il est deux temps au-dessus de tout le monde en termes d'intensité. Dibost devant Mike James. Voilà. Et voilà ce qui crée comme dont ils avaient besoin. C'est ce qui crée comme différence, Dibost. C'est un danger permanent. On est qui au dunk? Au dunk. Il est parti au dunk. Ouais, c'est trop simple. C'est trop simple cette action sur le pick and roll. On est qui coupe. Mike James. Si James qui veut garder le ballon jusqu'au dernier moment, c'est lui qui va créer tout seul. L'appui sur Jonah Matthews, le mid-range de Mike James. C'est juste monstrueux. C'est juste monstrueux ce qu'il vient de faire. Gestion de l'horloge impeccable. Touché impeccable de Mike James. Très très chaud. 34 partout d'Asvel. Collectivement, hein, tient tête au Monégasque pour l'instant. C'est reparti à l'Astrobal. 34 partout à la mi-temps. Thriller absolu. Rien ne sera laissé au hasard dans ce match-là. Makoudou. Et il va le mettre dedans. Ouais, encore un rebond offensif, ils les ont lavés. Ouais, bien joué le déplacement. Et il repousse. Servi par David Laiti. Okobo face à Kaudi. Ils se connaissent par cœur ces deux joueurs-là. Il est passé. Okobo est passé. Et Okobo sanctionne. Il va trop vite même pour chaque Kaudi qui est un peu plus lourd. Quel match il est en train de sortir face à son ancienne équipe sur son ancien parquet. Elio Kobo est tout simplement taille patron. Il n'y a pas d'espace pour Obasohan qui va devoir se le créer lui-même parce qu'il reste 5 secondes sur cette possession. Diallo, il est grand. Turnaround, mid-range impeccable de Retino Obasohan. Il était dur ce panier à mettre. Il était très dur parce que Diallo, c'est pas le même gabarit. Mike James pour plier voilà. Le game. Au revoir. Game over, signé Monsieur Mike James. Ce shoot est d'une précision absolue, il est très très lourd. Oh, mais quelle hauteur. Allez, où, quelle vitesse, quelle hauteur. Il a presque monté trop vite par rapport au ballon, Moneke. Elio Kobo a fait un match monstrueux pour son retour ici, 20 points, 8 rebonds. La Roca Team envoie un gros message à la Betclic Elite en venant s'imposer ici à l'Astrobal. Ça n'est pas anodin comme victoire, mais... Victoire très importante, c'est surtout dans la manière qu'elle s'est construite, cette victoire. Tout le monde s'est mis au diapason défensivement, tout le monde s'est mis au diapason de l'intensité pour aller chercher tous ces rebonds, pour marcher sur la tête de cette équipe de l'Asvel. This is the best gift you ever. Yeah, I mean, for me, I knew it'll take some time to be comfortable.
I felt comfortable today. You know, I'm learning the plays more and more. I'm getting my, you know, my legs, my cardio back. So, you know, I felt good. It's going to take more time. Just because I played well today doesn't mean that I'll be 100% next game, but day by day, day by day. Asvel is a great team. I feel like every game we play, you know, we have a chance to win, but it's also going to be a very tough game. So we need to use our physicality, you know, running, our speed, our athleticism. And I feel like that's why they brought me here. So I'm glad I could help with that. Okay, I left France. I go to Manresa, Champions League MVP. Best year of my life, basketball-wise. I thought that I would go to EuroLeague, but, you know, my agent said I did a great enough job to go to the NBA. And that was my dream since I was a kid. I wanted to try it out and see what it would be like. And unfortunately, you know, I went there and I didn't really have an opportunity. You know, I went to Stockton to play with the G League team and I just wasn't given an opportunity. So, you know, I kind of lost a little bit of my happiness and I realized that I just want to be happy. And Monaco made me very happy with their offer.